Salut YouTube, bienvenue sur le stream aussi, enfin bienvenue sur ma chaîne. On reprend la partie Eden Initiative, donc type écolo sur le jeu Anno 2070, où on l'avait laissé la dernière fois. Alors, je passe sur le jeu en espérant que ça fonctionne. La dernière fois, ça n'avait pas fonctionné. Il y a de la... Et voilà, bah c'est parfait, c'est parfait. Et on relance le jeu. Hop. C'est parti, c'est bon, ça fonctionne. Donc. Où est-ce qu'on en était? Là, il y a un petit bateau pirate qui passe à côté. Ah, attendez, il faut que je reprenne les touches parce que on joue avec. C'est un jeu à lequel on joue avec les touches directionnelles, donc c'est pas forcément. Logique dès le début quand on a l'habitude d'utiliser DSQD. Alors, j'espère que vous allez tous bien. Alors, on gagne de l'argent là. Qu'est-ce qu'on essayait de faire? Ah oui, on avait dit qu'on allait essayer de pérenniser les sortir ressources des pour, battus pour, en tracer pour ses employés. De enfin, ça me plaît. Les employés éco, on est quasiment à fond, on va pas passer en impôt faible pour faire monter les 200 personnes qui restent. Enfin, trouver les 200 personnes qui restent. Est-ce que on ne fait pas encore des des quartiers? Non. Non, pour l'instant, on va rester... On pourrait en faire ici encore des quartiers. Ah, je sais pas. On va voir. Avertissement. Donc, production interrompue. Ce qu'il nous faut, c'est ça. Des usines de composants électroniques. Ah, je suis content de streamer là ce soir. Alors, c'est où déjà? Mon usine est ici. Est-ce que mes deux lignes fonctionnent? On a la route légumes et... Donc la route légumes a le sien. Et Ventléon, il a le sien aussi, c'est bon. Ça c'est ok. On avait eu une grosse faiblesse à la fin du stream. La dernière fois, on avait perdu nos bateaux, on n'avait plus d'argent pour les reconstruire. Oh là là, ça avait été la misère. Et là, les bateaux pirates qui rôdent tout autour de mon île. On a installé deux tours de défense ici, et deux ici. Ce qui en... Voilà, le problème c'est ça. Donc, quoi, direct. Non. On va lui demander d'escorter le bateau. Et pour faire des navires de bataille, qu'est-ce qu'il fait lui? Puissance d'attaque 7, puissance d'attaque 4, donc ça c'est plus fort, mais ça me coûte quand même de l'argent. On va pas se aller vers... on va pas s'orienter tout de suite à perdre de l'argent pour de l'armée. Alors là on n'a plus assez de cuivre. Faut voir ce qu'il nous reste. On est d'accord, hein, c'est pas un problème de livraison, donc il nous faut du cuivre. Ici. Du cuivre, tant on peut. Non, on peut pas. Donc, on va construire ça. En fait, ce qu'on va faire, c'est... On va la jouer comme ça. Hop, et toi, tu dégages. Comme ça. Parce que j'ai remarqué la dernière fois que ça consommait beaucoup d'argent, hein, quand même. Ça fait quand même une consommation d'argent importante. Et c'est ici, toi. On veut du cuivre. Ah oui, c'est vrai, il y avait un truc. Quoi? SAT. Non. Là. Voilà, il nous faut combien? Cliquez sur le bouton gauche pour déverrouiller les bâtiments tech dans le menu de construction. C'est le les nouveaux habitants. Nous, on est des Eden Initiative. On n'a plus assez de légumes. Combien tu rapportes de légumes? 18. Ah, c'est pas assez, hein. Attendez, juste avant qu'on passe à ça, on va construire les légumes. On va construire les légumes. C'est bien. Hein. On va faire de la production. On va augmenter la production de légumes. Vous voyez, hein, je pensais avoir fait assez, mais finalement. Alors, désolé pour ça, hein, je viens de finir de manger.
Hop. Hop. Et hop. Et on va en faire deux autres, hein, je pense. Donc là. Ici et là. 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 Et. J'aime bien ce jeu, il est très chill. On est très cool. On se prend pas la tête. On est bien là. Sur le stream. On profite de l'extérieur dans les jeux vidéo. Parce qu'on peut pas sortir à cause du coronavirus. Bon, après moi je suis très casanier, hein, c'est pas moi qui vais me plaindre. Attention. Santé critique de la population. Et voilà, ça y est, les mecs commencent à devenir malades. On parle du coronavirus direct. Santé critique, non mais c'est incroyable ça quand même. Obtenir un hôpital, c'est comme ça qu'ils auraient dû régler le problème. Un petit hosto et puis c'est marre. Hop, et on reviendra. Conclusion d'un traité de paix traité entre de paix, voisins. Vladim, le russe et Hector le pirate. Ça marche. Pendant ce temps-là, toi, tu vas me choper du matos. Ah ouais. Allez, hop, hop, hop. Et tu vas me construire une base. Une base ici, de ce côté-là. Pourquoi je construis de ce côté-là et pas de ce côté-là, qui a une très grande plage. De ce côté-là, il y a les pirates, déjà. Et je fais passer mon bateau de ce côté-là, donc je vais pouvoir construire des défenses ici. Au cas où que mon bateau se fasse attaquer, il pourra se réfugier ici. Et après, on mettra un autre port d'attache ici. Pour qu'il n'ait pas à faire le tour de l'île. D'ailleurs, on pourrait le faire. Oui, on pourrait le faire. C'est ça. Non, attendez. Un peu plus, c'est ça. Voilà. Et puis, alimentation en énergie inadéquate. Voilà. C'est que j'avais peur, c'est que on me dise parce que ça consomme de l'argent hein, quand même. Hein. Ça, c'est non, c'était marqué là. C'est moins 40. Voilà, quand même. Hein. C'est pas mal. Hein. Moins 40, c'est ça commence à jouer. Hein. Toi, tu rapportes que 10 de bois, mais vous rapportez rien en bois là. C'est quoi ça? J'ai rien en bois. Ça faut beaucoup, hein. Je pense que le bois, ça avance, ça se vend tout doucement. Et est-ce qu'on peut lui vendre autre Bienvenue chose sur la base. Il ne veut pas du verre. Il veut du verre. Ça va se vendre bien. Et le bois, en même temps, ça se vaut 16. Ouais, ça vaut 119 déjà. Ouais, donc on a dit qu'on allait construire un nouveau. Coloniser une nouvelle île. Voilà, une grande île. Et maintenant qu'on a décolonisé cette île. Donc cette île, on va pas faire de production hein, comme ici. Elle va pas être autosuffisante. Donc, et maintenant, nous allons faire ceci. Êtes-vous prêt pour le futur? Bienvenue. Je suis le professeur Salman. Salut le pacificateur. Porte-parole du Conseil scientifique indépendant de SAAT, leader mondial dans les domaines de la recherche et de la science. Nous suivons vos activités dans ce secteur avec beaucoup d'intérêt. Et si vous me permettez cette remarque personnelle, nous sommes impressionnés par votre potentiel. Ouais, ouais, impressionné, ils ont dit. Sous la houlette de son intelligence artificielle, Phaser, le conseil éthique de SAAT vous ouvre l'accès à ses dernières procédures high-tech. Pas du tout. Risque encouru ayant été jugé acceptable. Une décision que j'approuve pleinement. Non, c'est une partie bac à sable. Si vous le souhaitez, vous pouvez accéder immédiatement à nos technologies sous-marines afin de résoudre vos pénuries en matières premières au plus vite. T'as déjà joué au jeu ? En outre, nous vous accorderons également une licence pour ouvrir des laboratoires. Oui, c'est mieux, la campagne n'est pas... Des académies,
et vous permettre d'accéder à nos plans de construction d'avions. J'imagine que vous devez être sans voix. Et tout cela contre une toute petite contribution en faveur de la poursuite de nos recherches. N'est-ce pas fantastique ? Une toute petite contribution. Devenez membre de SAAT. Moi, je l'ai fini une fois, il y a quelques années, il y a 2 ans. Ouais, j'ai duré. Ah, ça y est, c'est terminé. Allez. Permis de construire des bâtiments éco accordé. Alors là, on va leur dire... Construction oui, peut à tout moment être mis à jour à partir de l'arc. Voici les 10 000 dollars. Construction mis à jour. Bâtiment éco activé. Et là, nous pouvons construire les bâtiments des techs. Et les techs... Ils nous apportent quoi, les techs ? Trimaran, prêt. Ouais. Veuillez monter. Chut. On en parle après du trimaran. Les techs, ils nous apportent des centrales hydroliennes. Ah non, c'est pas ça. C'est pas ça que je voulais. Est-ce que... Oui, voilà, les techs, ils nous apportent ça. On peut aller sous l'eau, regardez, c'est trop cool. Oh oui, et puis le petit effet, genre, il y a de l'eau qui sort, qui s'écoule de la caméra, ça c'est juste trop bien, c'est un détail, mais c'est trop bien. Il y a le feu. Bonne nouvelle, le risque épidémique est sous contrôle. Ah oui, tiens, c'est marrant le pacificateur. Je parle du coronavirus, là, dans mon stream. Direct, après, j'ai dû foutre un hôpital parce qu'il y avait, ils avaient chopé... Non mais c'est un truc de dingue, ils sont tombés malades. Il y a eu une épidémie dans mon village, quoi. Ah ouais, 1800, ouais, j'ai vu qu'il était à moitié prix, et mais je me le prendrai plus tard, je pense qu'il y aura d'autres soldes. Mais ouais, je me suis posé la question. Mais comme je peux pas le faire tourner sur ce PC-là en stream, j'ai fait non. Et puis comme c'est un jeu que je pense que j'ai envie de découvrir en stream. Par contre, j'ai eu une idée, je sais pas, est-ce que tu connais Zeus, le maître de l'Olympe ? Tu t'es jamais fait spoiler ? Ouais, moi j'ai regardé très vite fait, voir un peu près lorsque l'ennemi découvrira le poteau rose, il sera trop tard. Arrêtez de me vouloir que je fasse la guerre. Avec ou sans. Alors, les techs. Alors oui, alors on peut parler des techs. Les techs, on peut aller sous l'eau et on peut aller aussi dans les airs. Bon, c'est pas tout de suite, hein, parce qu'il nous en faut pas mal, mais enfin pas tout ça en fait. Et donc, nous allons construire. Sur cette île, notre premier centre de recherche. Hop. Et donc, il va falloir alimenter des gens avec... Ah oui, c'est un vieux jeu rétro, ouais. Devoir alimenter de nouvelles habitations avec des nouveaux produits qu'on va découvrir dès maintenant. Opportunité de construction étendue. Voilà, c'est très bien. Avec des monstres mythiques à l'âge de vampire. C'est pas trop. Non, c'est un jeu de gestion, c'est plus comme Anno où en vrai. Hop, on va leur mettre de quoi pêcher. Pourquoi je peux pas construire ? Oh, c'est la merde en fait cet endroit. Voilà, ça sera largement suffisant pour maintenant. Hop. Avec des monstres mythiques à l'âge of Empire. Non, tu veux dire Age of Mythology ? Mais c'est un vieux jeu où c'est que du dessin, par exemple. Il n'y a pas de la 3D, c'est de la fausse 3D, hein, plutôt. Et il est hyper quali, ce jeu. Il y avait mon bateau, là. Il est passé où, mon bateau ? Where is my boat ? Il est là. Ah bah attends. Hop, on va trop fou là. En ça et ça. Voilà. Allez. Et je me suis dit, là je vais me racheter le jeu parce que avant je l'avais eu. C'est un des tout premiers jeux que j'ai eu sur l'ordinateur avec Doom 2. Et ce jeu là, alors déjà quand j'y ai joué la première fois, je pigeais que dalle. Il y avait des villes toutes dégueulasses et tout. Mais c'est le jeu qui fait grave. Mais c'était tout dégueu et tout, j'avais rien pigé au jeu.
Mais j'y ai rejoué mais tellement de fois. J'étais juste content d'avoir des tours. En fait, j'arrivais pas à avoir des soldats parce que du coup, si tu comprends pas, impossible d'avoir des soldats. Et du coup, ma seule manière d'avoir des soldats, c'était d'avoir de la police. En fait, je faisais des bâtiments de police et comme les mecs ressemblent un peu à des hoplites, j'étais trop content et tout. Je me disais, ouais, ça y est, j'ai mon armée. Pas du tout. Pas du tout. Alors, eux, on va leur mettre, avant de découvrir leurs besoins, on va en mettre quand même une bonne couche. Tac. Alors, ils ont besoin de quoi ces gens-là ? Ils ont besoin de poissons. Déjà. Comme tout le monde. Ouais, dis-moi, c'est quoi qui t'a déçu sur ce jeu-là ? Anno 2070, pour ceux qui n'ont pas le chat. On parle. Tu me peux pas faire une partie sans 80... Ah, si, je crois. Hein, je crois que tu peux régler ça. D'ailleurs, j'ai... Non. Ah, je crois qu'on pouvait régler. Je croyais qu'on pouvait régler... Non, il y a toujours un minimum. Ah, ouais. Oh, je sais pas. Là, je suis en moyen. Hein. Je me suis pas... Oh, il y a toi. T'es ici. Tu vis ici, toi. Ah ouais, juste derrière les pirates. Je vais pas aller te voir souvent. Hein. Ouais. Les tornades... Après, c'est pour ça que c'est le gros avantage de jouer Echo, c'est que comme ça te pousse à être toujours dans le comment dans un bilan écologique positif. Sans guerre, tu peux. Hein. Sans guerre, il suffit juste de mettre des mecs comme ça là, des gars qui sont en mode genre ils sont juste des vendeurs. Mais les tornades, ouais, non, les tornades... Bah si, les tornades, en fait... Pour éviter d'avoir des tornades, en fait, il faut avoir une île à côté de toi qui pollue un max. Et en fait, toi, en fait, tu vas avoir une sorte de bouclier à tornades si ton écologie est forte. Et les tornades, elles vont pas là où les îles, elles ont un bilan écologique fort. Mais par contre, elles vont aller vers là où il y a un bilan écologique faible. Par exemple, si une tornade est ici, là entre les deux, et que moi je suis à genre à plus de 200 et lui il doit être vu la gueule de son île à moins 400, et bah la tornade elle va aller de son côté. Ah non, mais c'est sûr. Alors, du coup, est-ce qu'on peut acheter. Ça coûte combien ça? Ah non, c'est trimaran, gratuit. Ah non, prêt. C'est pas gratuit. Veuillez monter à bord. Hop, et ben allez, on va aller chercher le trimaran prêt. Qui est Veuillez le prêt. Navire le plus important. Déclaration de guerre entre voisins. Là, il est où mon bateau? Trimaran prêt, mais tu me l'as piqué? Ah non, il est là, c'est bon. Il est sorti par ici. Et ce bateau là, c'est le sous-marin. Bien. Ouais, moi aussi j'ai fait Echo Tycoon et Recherche. Ouais, moi aussi j'ai fait si tu veux, si t'es là encore à la fin du stream, je te montrerai une partie. Ah, quoique, non, je peux peut-être pas parce que c'était sur mon autre PC où j'avais fait une île où il y avait les trois bâtiments principaux. Ah non, j'avais fait une île où il y avait de le bâtiment principal Echo, une île où il y avait le bâtiment principal Tycoon. Et le bâtiment recherche, mais le bâtiment des mecs qui font de la recherche, il avait il a le bonus en fait de faire, de régler les soucis de tout le monde, c'est de toutes les classes. Et du coup, j'avais une île, en fait, un objectif où tu dois avoir tant de mecs de la classe supérieure, tycoon, écho et ingénieur. Et du coup, j'avais fait. Le but c'était de faire ça au fait, quoi. Je l'avais fait. Et c'est pas facile, hein, parce qu'il faut beaucoup de. Du coup, de. Enfin, c'est pas facile, c'est pas non plus hyper chaud, mais. Mais ouais. Donc, ça va être mon nouveau vaisseau de transport. Avec des missions, c'est moi qui définis. Alors, qu'est-ce que tu veux, toi?
Oui, je t'appelle. Ah non, vous pourriez faire quelque chose de bien pour les habitants de cette Steve, ville. Steve, un employé cherche que vous récupérez 5 caisses de débris flottants. Ah oui, ça c'est les caisses, c'est les missions, les super missions. Hop, et ben on envoie ce bateau là. Et on lui dit de revenir ici. Pour l'instant, mon préféré reste Anno 1404. Ouais, ça a été mon premier Anno. Mais moi, franchement, j'adore celui-là, j'adore l'ambiance, j'adore le côté aller sous les fonds sous-marins et tout. Qu'est-ce que je trouve ça bien. Donc, est-ce que ici, ça fonctionne maintenant? Est-ce que nous avons du cuivre en masse? Nous avons plus de cuivre. Nous avons beaucoup plus de microprocesseurs. Donc, le but, ça va être de construire... encore une usine de tablettes. Hop. Ouais, c'est vrai que sur celui-là, les quêtes, bon. Et tu peux aller me chercher de la merde, s'il te plaît. J'ai fait tomber mes papiers dans l'eau, quoi. Je crains qu'il faille faire vite dans cette affaire. À quoi ça sert ça déjà? Nécessite des maisons dans sa zone d'influence, produit de l'énergie. Ah. Ouais. Est-ce que ça intéresserait quelqu'un de faire affaire avec le vieux? Ah, voilà. Lui, il est là. Très bien. Maintenant qu'on a un peu de pognon, on va aller le voir. Alors, tout s'est bien passé? Ouais. Bravo! Vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter. Les pattes, on va les mettre là. Ça, c'est des trucs pour ceux d'après, pour les niveaux supérieurs, les pattes. Mais c'est surtout ça, là, les 147 qui vont me permettre, en fait, ça, ce qu'on gagne, les 147 que je viens de gagner. Ça permet, dans ces bâtiments, voilà, vous voyez, ça, c'est des, comment ils appellent ça, des valeurs d'échange, je dirais. Non, ouais, je sais pas comment dire. Ça permet d'acheter des augmentations en fait pour les îles ou pour les comment pour les îles ou pour les bâtiments. Voilà, ça c'est pour les îles, ça c'est pour les bâtiments, pour les bateaux. Et ça permet du coup de buff vos bateaux à fond. Alors après sur les anneaux, je ne joue pas sur l'optimisation pour les zones habitables. C'est-à-dire tu veux dire jouer au Tetris là à faire des trucs hyper rentables? Oui, après, moi, généralement, je le fais quand j'ai le gros bâtiment. Mais oui, c'est vrai que... Au début, je fais des trucs hyper optimisés comme ça, là. Genre hyper moche. Bon, même si ça rend bien, hein, je crois que c'est F1. Par contre, quoi qu'on en dise, le jeu, il date. Mais regarde, c'est quand même vachement beau. Hein. Et je suis d'accord. Généralement, je fais un truc un peu plus quali par la suite. Interrompu. Coucou, qu'est-ce Comment que tu inventes? Alors, toi, augmente la puissance d'attaque, ne m'intéresse pas. Productivité plus 20% pour les pêches, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas non plus. Ça, c'est super bien, mais ça coûte trop cher et je crois que j'ai même pas, j'en ai que 746. Non, moi, ce qu'il me faut, c'est un moteur. Non, pas ce que je veux. C'est quoi ça? Ah oui, non. Non, il a pas. Ah oui, on devrait aller voir cette dame-là. Ah, moi, ce qui me fait juste péter un plomb, c'est les fermes, là. Essayer d'optimiser. Bonjour à fond, et bienvenue. Je suis Yana Rodriguez. Encore une écho. Une écho. Ah, ça, c'est pas mal, ça. Vitesse plus 15%. Ouais. On va te prendre ça. Vous revoilà. C'est honnête. Voilà. En fait, on va essayer que ce bateau soit ultra, ultra rapide. Bon, lui, il est mal au point, lui. Hein. Lui, il a pas kiffé de passer près de mes tours, apparemment. Ici, ils vivent leur petite vie complètement recluse. Qu'est-ce que je voulais faire? Ah oui, on va reconstruire des bâtiments tech après.
Ouais, moi, il y avait un moment où je faisais des croix, en fait. Je faisais quatre lignes, comme ça, là. Tac, tac, tac. Ce que je vais faire là, en fait. C'est ce que je vais faire là. J'ai max fer. Écoute, ici... Est-ce que j'ai de quoi construire des munitions, ici? Toi, tu vas acheter quoi? Tu vas acheter des flingues? Regardez autour de vous. Aucune autre compagnie ne travaille avec autant d'efficacité. Peut remettre ça. Et toi, t'achètes des flingues à la bonne heure. Non. Et toi? Enfin, des flingues, des pistolets. Non. Non, jamais joué à Anno Online. Toi, c'est toujours la même chose, hein. On est d'accord. Tu veux du bois, des sushis et. Vous n'avez pas été suivi? Oui. Ah, il n'y a personne qui veut des armes. Vous voyez, l'extraction de pétrole est un processus. Oh non, mais Global Trust est un acteur d'envergure. Ah mais si, c'est ça. Faites-moi des armes, et après je peux les vendre ici. J'avais oublié que je pouvais vendre directement aux gens qui viennent sur mon île. Hop, on va faire des fabriques d'armes. Que j'ai pénurie énergétique détectée. Pénurie énergétique. Hop. La petite éolienne qui va bien. Ouais, non, j'ai jamais essayé. À vrai dire, quand j'avais le jeu, ce jeu-là, Anno 2070, et que tout le monde y jouait, moi je l'avais eu de manière illégale. Qui n'est plus le cas maintenant, Ubisoft, hein. Venez pas me taper dessus. C'est des erreurs de jeunesse. Un baleinier est censé naviguer par ici. Vous ne l'auriez pas. Ok, je croyais qu'il se faisait attaquer. Mon pétrole va atteindre un prix record sur le marché mondial. Militaire. Ah oui, d'accord, je pensais que tu parlais de que sur 2070 on pouvait jouer en ligne. Commerce. Vendre. Vendons des armes. Je veux en vendre. Ouais, bah vas-y, hein, Vendez. Hop, et lui maintenant, on le fait plonger. Et je crois que... Ah mais non, mais on a même pas besoin de... On a même pas besoin d'explorer pour aller voir les îles. Ah, c'est pas mal, hein. Ici. C'est une grosse île sous-marine, ça c'est bien. Hein. Ici il y en a une ou pas? Là on recherche les îles sous-marines histoire de trouver de quoi coloniser. Ici il y en a une. Avertissement. Arrêt complet de la production. Ici aussi. Ah bah là il y en a une mais elle est déjà occupée. Par cet enfoiré de Vladimir Fosokov. Oula, celle-là, elle est fat aussi, là. Ah non, pas si fat que ça. Ah, non, j'ai pas vu Anno Online. Ah non, mais celle-là, on va la coloniser tout de suite, là. Elle est trop bien, celle-là. En plus, il y a de la géothermie, là. Ouais. Banco. Voilà, il doit y en avoir des îles aussi, là. Ah, il m'énerve avec son île là. Là il y a une île. Hop. Tac. Ouais, il n'y a pas beaucoup d'îles sous-marines. Hein. Là il est pas mal aussi. Enfin bref, on en était où? On va récupérer du matos. Hop. Ouais, je dois lancer avec le launcher d'Ubisoft. C'est ça, exactement. C'est pas mon launcher préféré, hein.
Où est-ce que je peux le déplacer? Non, mais il est très bien ici. Hop. Hop, on plonge. Ouais. Nouvelle île localisée. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Bah, c'est très bien tout ça. Alors, il faut savoir que coloniser un truc sous-marin, ça coûte très cher. Très très cher. Et Partie sauvegardée. Tu as déjà vu les launchers de jeux Paradox? Non, jamais. Je sais même pas ce que c'est que Paradox. Alerte. Attaque de l'un de vos véhicules. Toi, il est où mon bateau? Attends, comment je passe en revue mes bateaux? Bateau. Ah bah, il a laissé tomber. Il l'a laissé tomber. Cool. Leur launcher, c'est leur top. Le top. Ah ouais, ouais. Moi, j'aime bien Steam. Enfin, après, est-ce qu'on peut considérer que Steam, c'est un launcher? Alors, nous voulons des alicaments. Voilà, parce que les mecs bouffent clairement des médicaments. Comme ça, quoi. On peut considérer que les gars ont des problèmes. Tac, tac. Ouais, ouais, le mec se considère supérieur à moi. Euh, 7 sur 6, j'en ai un au trou. Ça ne sert à rien de surproduire. Non, c'est pas au petit de faire comme ça. J'aime bien. Non, je connais pas. Pas du tout, hein. Mais genre, jamais entendu parler. Hein. C'est même pas. Genre, je me suis jamais intéressé. J'en ai vaguement entendu parler. Et... Alors, je fais ma petite route sous-marine. Elle est là. Qu'est-ce qu'il faut que je sache si ça touche en fait ce bâtiment-là. Ouais, voilà. C'est ça. Il faut que je puisse aller là. Ça, c'est des gisements et j'en ai besoin après. Je crois que c'est des gisements de pétrole. Voilà. Tac, 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 tac. 5 et 6. C'est bien plus connu que Total War? Non, tu me charries là. Quand je regarde sur mon téléphone. Paradox. J'ai jamais vu personne. Comment ça s'écrit, hein? Ouais, avec un X. Paradox. Paradox Interactive. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ah, mais c'est ceux qui ont fait Stellaris. De l'un de vos ouais, oui, d'accord, oui. Oui, oui, City Skyline et tout ça, oui. Oui, ça, j'en ai déjà entendu parler. Putain, mais eux aussi, putain, ils ont tous leur. Ils ont tous leur launcher aujourd'hui. Waouh! Hop, toi. Fil de trucs. Remonte, et voilà. Ah, je vais le perdre encore ce bateau-là. Putain, ils font chier, je sais pas pourquoi ils me... Ouais, bah voilà. Ah, puis alors, du coup, ils s'en prennent à lui. Mais quelle bande d'emmerdeurs, ces pirates-là. Votre commande a été confirmée. Les marchandises Allez, ont été expédiées. Mine-toi. Occupez-vous de ça. Hop. Vite, dépêche-toi. Hop. On vous calme.
Et maintenant, tu veux venir ici. Toi aussi. Alerte. Attaque de l'un de vos véhicules. Non mais c'est une blague ou quoi là? Toi tu peux tirer sous l'eau hein, donc ça sert à rien. Non mais ils sont partout les mecs. Ça c'est fort. Puissance d'attaque 10. Ouais c'est ça. Ah oui mais il me faut du vert pour ça. Voilà, quel enfer. Ah ils m'ont laissé tomber. Par contre, l'UM, c'est fort. Rencontrer ce navire. Avertissement. Attaque ennemie du bâtiment. Attends. Toi, t'es carrément mal au point, là. Il faut tirer sur lui, là. Ah oui, d'accord. Les tourelles, on peut pas leur dire de sur qui tirer. Vous allez nourrir les poissons. Feu, feu, feu. Vous aimez pas, là? Ah oui, clairement, oui, vous aimez pas. Le bon vieux Rafio. Ah du coup, c'est sur les sous-marins qu'il se peut pas tirer? Ah, c'est plutôt... en fait, c'est plutôt bon. Aéroglisseur, c'est pas utile si tu as pas déjà une grosse flotte. Ouais, je sais que c'est pas super fort, mais ces bateaux-là, ils sont pas top non plus. Alors que eux, au moins, ils sont ultra rapides. Et du coup, ils peuvent vite intervenir. Pour des bateaux comme ça, là... C'est suffisant. Moi, ce que je veux, c'est ça, là, voilà, des navires. T'en fais 6, des navires d'avions, et comme ça, t'es tranquille. Alors, on va aller récupérer les débris. Hop, et on va se mettre à l'abri ici. Pendant ce temps-là, on finit ici. Nous étions en train de... faire notre empire sous-marin. Hop. Ouais. Alimentation en énergie inadéquate. Alimentation en énergie inadéquate. Et j'ai pas assez... Comment ça, j'ai pas assez? Ah non, ça coûte 1000, d'accord, j'ai pas assez de pognon. Tout simplement. Et oui, parce que... Quoique, toi, tu sors pas, toi. Voilà, là, j'ai assez de pognon. Un seul bâtiment de guerre, ça suffit. Ok. On va en faire deux, hein. Là, la petite route qui va bien. Ah oui, c'était ça qu'on voulait faire à la base, quand même. Un truc d'énergie. Ici. Et là, on est tranquille. Fin d'un conflit militaire entre voisins. Alors. Qu'est-ce que t'as ramassé de beau? Ouh. Je vais ramener ça là-bas. Ici, on va construire. Personne ne déversera de déchets toxiques dans la mer tant que nous patrouillerons. Oh, je réfléchis. On fait un navire de frais. Ouais, non, on fait ça. Hein. Bah oui, hein. Pour 5 de plus, on fait ça. Ah, y a nos monnaies. Donnez-moi un peu d'argent, vous. Histoire juste que je sois pas dans le rouge. En fait, vous allez m'excuser. Il n'y a plus d'argent. Alors. Ici, ils ont plus de... Ah, mais oui. En même temps, c'est normal. Je comprends pourquoi j'ai... Vous allez faire tort à mes affaires avec de telles actions. Déplore l'argent en raison du peu de pétrole que vous utilisez. Oh bah, ça va, le mec. Il n'a pas du tout le melon, quoi. Approvisionnement en produits de luxe inadéquate. Ouais, je sais. C'est un peu la misère, là, je suis sur tous les fronts. Hop.
Toi, tu vas ici, tu vas déposer tout ce que tu as. Les techs, qu'est-ce qu'ils peuvent construire? Ça, c'est... C'est sous-marin, ça? Non, hein, c'est pas sous-marin. Ah, va falloir construire ces merdes, là. Des usines pétrochimiques. Ça, ça va être bon pour l'environnement. Hop. On vient récupérer ça. Alerte. Attaque ennemie sur l'un de vos bâtiments. Ça va, on est bien? On m'attaque, pépouze. Alors, qu'est-ce qu'on a récupéré? Une bombe à IEM, ouais. Ça, c'est nul. Ça, c'est nul. Ok. Donc, ça, on dépose ici. Ça, on va aller vendre ça à un toto. Bah, à ce toto-là, par exemple. Il sera content de faire des transactions avec moi. Ensuite, on va booster la vitesse de ce bateau-là. Avertissement. Attaque véhicule de pirates. Encore. Attaqué. Ah bah, j'ai construit un véhicule militaire. Autant en profiter. Ah, les pirates, ils font péter des plombs, mais bon, après, ça anime un peu, quoi. 14. Vous inquiétez pas. Il tape plus fort que moi. Hein. Le bateau est deux fois plus gros, mais c'est... Ça, c'est des anti-sous-marins. Voilà, allez, on se casse. Tiens, je vous laisse un drone. Un manque me chercher, là. Viens, on va s'amuser près de mes tourelles. Ah, bien sûr. L'IA est vraiment loin d'être con, hein, des fois. Hein. Oh, c'est fou. Ça, on vend. Ça coûte si cher. Ouais, qu'est-ce que t'as à me vendre? Une puissance d'attaque 10. Non, c'est nul. Ça, c'est naze. Comment t'es? Toi, t'as toujours. Avez-vous besoin de l'aide d'Eden Initiative? Non, c'est naze. Bon, bah voilà. Avertissement. Attaque de pirate. Véhicule encore. Attaqué. Tiens, on va le finir, lui. Je t'ai demandé si ça allait, le pacificateur. D'ailleurs, je t'ai même pas pris. Je t'ai même pas demandé si ça allait, je crois. Bah ça va bien, écoute, comme je disais au début du stream, mais t'étais pas là, je suis très content de streamer. Vous arrivez avec des unités? Vous voulez qu'on se joigne à vous? Non mais arrête! Je viens de vendre des trucs, toi, calme-toi. Alors, là, le mec, putain... De quelque chose? Bon choix. Le mec pète des plombs à chaque truc qui bouge, quoi. Oh putain, et connard! Avertissement. Production interrompue. Bah ouais, ouais, c'est vrai. Le mode de vie qui est toujours à la ramasse. Parce que le... Ah oui, c'est parce qu'il n'y avait plus de bateau. Mais il se balade, là, le bateau, là. Il a ramené, là, de quoi s'amuser, un peu. T'as ramené des tablettes pour les enfants, là. Ah, lui, il a acheté des armes, là. Il vient de me donner 3500. Ben oui, il a ramené des tablettes. Allez, arrêtez de faire la gueule, là. Merde. Merde. On est content des écolos, là. On va construire encore des bâtiments pour eux, là. Histoire qu'ils me rapportent un peu de pognon, hein, parce que les écolos, ça sert à ça. Voilà. Voilà ma vision du monde. Ici. Je vais ça là, j'ai... Tu te rappelles où les images anneaux sont enregistrées? Tu veux dire si je suis un screen?
attaque et... Je cherche les miennes, ouais si c'est un screen, bah je ne sais pas. Je sais même pas comment on fait un screen, F12. Capture d'écran sauvegardée, où ça? Bah non, il n'existe pas. Ça doit être dans les options. Regarde dans les options de ton jeu. Partie sauvegardée. Alors, nous voulons... Ah mais non, attends, j'ai fait une erreur. 1, 2, 3. J'ai fait une erreur. Et ben voilà, c'est de l'argent de gâché. Là, ça fait combien? Ça fait les deux maisons, là? Tac, tac. Ouais, c'est bon. Ici... Et c'est ici. Tac. Non, c'est... Ouais. Non. Hop, je mets le petit point repère. Et on y va. Ouais. Et... Alors, ouais. Maintenant, on crée les bâtisses. On va mettre une petite... Après, pour la déco, là, par exemple, genre ça, là, je trouve que les prix sont indécents. Hein. Pas de sang. Non mais... Pff. Ouais, c'est pas cher, mais en début de partie, enfin, c'est cher. Hein. Hop, alors ici, on leur met... Pénurie énergétique détectée. Je peux toujours pas construire. On va faire annonce d'une déclaration de guerre entre voisins. Déclaration de guerre, c'est bien déclaration de guerre. Guérissez-vous. C'est combien ça? Ah, c'est 3, putain! Ça commence à rendre tellement. Alors, ici, c'est carrément pas rentable, là. Le problème, c'est que là, du coup... Oh, allez, vas-y. Banco. Hop. Et boum. Ah ouais, bah vas-y, on voit des screens hein, et je regarde. Ah ouais, bah si tu les retrouves. Alors là, j'en ai tellement qu'on va passer en euphorie.
Alors, ici. Qu'est-ce qu'on voulait faire? On veut gagner plus d'argent. Ici aussi, on va construire, on va fabriquer des armes. En fait, il faut fabriquer un max d'armes parce que c'est ce qui se vend pas mal cher au début de game. Hein. Je pense que. Avertissement. Production interrompue. Et on fait tourner. Voilà. C'est quoi, ils font la guerre là? Ah ouais, j'ai l'impression qu'ils font la guerre. Oh, ah oui, ils font bien la guerre. Toi, il te faut du bois, c'est ça, pour aller faire un truc? On va te filer du bois alors. Non. Non. Allez, vas-y, pars en mission. Donc il va partir en mission, il va nous ramener quelque chose, on va savoir quoi. Alors. Ah oui, c'est vrai, il faut que je reconstruise ça. Un centre. Boum! Et là, vous pouvez passer en super, au niveau supérieur. À la télé, ils disent que notre ville est en plein développement. Tant mieux, parce qu'il reste encore beaucoup à faire. On va laisser de côté, histoire d'en faire plein d'un coup. Ici, expédition lancée. Au niveau des ressources. On est toujours ok. Hein. Qu'est-ce qu'on a plus? On a plus de fer. On a plus de fer. Pourquoi? Ah non. Ouais, pourquoi? Ah, il n'y a pas de... Il n'y a pas de route ici. Je me disais aussi, c'est bizarre. Et on va construire un truc comme ça encore. Hein. Et pour que ça aille plus vite, une autoroute. Vous pourriez faire un petit quelque chose pour Sokov transnational. Alors, 24 tonnes d'armes, Vladimir Sokov souhaite que vous remettiez les marchandises suivantes à un navire en mer. 23... Ouais, bah oui, écoute... Franchement, ça serait bête de refuser. Et on veut des armes. C'est 23, hein, il m'a dit. 24. Hop, et le navire est là. Donc ça, c'est vraiment le navire que j'ai, comme je vous ai expliqué, qui va servir à faire ce genre de mission. Trouvé ! Ah, trop bien, vas-y, on voit. Alors, maintenant, on va hop, un peu tout ça. À la télé, ils disent que notre ville est en plein développement. Tant mieux, ah bah ouais, il est en plein, parce qu'il reste encore beaucoup à faire. Hop. Ici, on va construire des tourelles aussi. Par contre, là, c'est un peu chaud pour le Discord. Alors, attends. Alors, bonne nouvelle, Spasiba. Et voici votre part. Eh ouais. Là, du pétrole qu'on va ramener ici. J'essaierai à la fin du stream. Ah oui, tu veux pas mettre ton Discord sur le truc? Oui, oui, je comprends. Tu peux pas m'envoyer un MP, un truc comme ça, sur Twitch, normalement? Oh, je sais pas. Ah oui, d'accord. Et il n'y a plus des hébergeurs d'images du style Noël Chac ou des trucs comme ça, là?
Sauf si, t'as pas envie de passer par là après, ce que je peux comprendre. Alors, que faisons-nous ? Là, on est en train d'augmenter le niveau de vie de ces coins, de ce coin-là, pour pouvoir se faire un max de blé. Ah ouais, dur à la fin. Et bah, en vrai. En vrai, d'ailleurs, t'as vu, genre, j'ai un peu terminé le stream comme ça parce qu'en fait, j'étais crevé et honnêtement, j'avais pas sauvegardé. Sans vous, on serait jamais. J'étais allé genre vraiment, j'ai même pas sauvegardé le jeu et j'ai dû la repère la partie. Je l'ai refait hors stream et du coup, je me suis dit bon bah vu que c'est comme ça, je la refais et j'ai gagné, non sans mal. Ah, c'est la vérité. Non, en vrai, j'étais vraiment claqué. Hein. C'est vrai que je sens la différence entre quand je jouais et j'étais en congé. Et du coup, je jouais le matin, je faisais un stream et le soir, je pouvais faire un stream. Et là où t'es au boulot la journée, le soir, bam, le stream. Tu fais ta petite vie en speed perso dès que tu rentres. Merde, j'ai construit cette machine, cette baraque, elle n'a pas accès à l'information. Donc, ouais, ça. C'est pas pareil. Je peux construire ça là ? Ouais, je peux construire. Dégradation. On s'en est bien sorti, grâce à vous. Hop. Comment ça, dégradation? Oui, ça y est, un bilan écologique merdique. Ici? Bah, ça va, on est à. Ah non, oui, on est passé à zéro, d'accord, j'avais pas vu. En fait, je regardais l'électricité. Avertissement. Production interrompue. Là, alors, où est-ce qu'on en est niveau population? Oh, on a encore que 300 en plus là, c'est vraiment rien. Ouais, bien sûr. Attends, je regarde s'il existe encore. Hop, ça risque de freeze un peu. Comme je suis passé sur une autre fenêtre, on verra. Non, ça n'a pas l'air de freeze du tout. Alors, ouais, c'est ça. Hop, hop, hop. À la télé, ils disent que notre ville est en plein développement. Tant c'est mieux, truc que j'ai, parce qu'il reste encore beaucoup à faire. Que j'utilisais, il y a un bail ça. Hein. C'est des, j'utilisais pour partager les screens de WoW et tout. Bah ça, c'était le... Je sais pas si tu connais les Noëlistes, là, c'était une sorte de groupe sur le forum 1518 à l'époque. Je sais même pas si ça existe encore. Et ils avaient créé ce truc. C'était des hébergeurs d'images, du coup. Et ça avait quand même. Il était vachement bien parce qu'en fait, il est hyper rapide par rapport à d'autres. C'est incroyable ce qu'on a déjà accompli. Alors. Là, on arrive à rester à flot avec les richesses, tout simplement, parce qu'en fait, là, ça ne considère pas le commerce. Expédition réussie. Ah, expédition réussie. Qu'est-ce qu'on a gagné? Oh, formule d'alliage de titane non découvert. Hop, ça, c'est pour après, ça. Donc, on va le ramener ici, chez les chercheurs, parce qu'après, on va en avoir besoin de ce genre de truc. Hop. Alors c'est dans ce quartier-là qu'on va faire progresser. Là on en est à combien là? Ouais, 500 là ça commence à jouer là. Donc
Ouais, je pense qu'on va essayer d'avoir ceux-là encore, là. Ces 6-là. Maintenant, on en est où des stocks? Toujours vérifier, hein. Après qu'on fasse une augmentation comme ça, faut toujours vérifier où est-ce qu'on en est des stocks. Et là, vous voyez, le poisson, ça baisse, donc... Let's go. Pour les pêcheurs. Et donc maintenant, on peut en construire ici, vu qu'on a une nouvelle zone de construction en bord de mer. Partie sauvegardée. Allez. Alors. Ah putain, oui. L'ordi. Ah oui, putain. Quand même, le foutage de gueule de Windows que Paint, ça marche mieux que leur outil de visualisation. Grâce à vous, on a une belle vie. T'es sous quoi? T'es sous Windows 10? Allez, on grille de la dernière. Ce qui était dingue, c'est que je me rappelle que sous XP, le visualisateur de... Non, la 8.1. Mais enfin, vie. Ah ouais, Windows 8. Ah oui. Ouais, mais je crois qu'il était pas dingue, ouais, Windows 8. Je crois que c'était vraiment la misère. Ça se trouve, c'est même ça qui... Moi, je sais que mon PC sous Windows 8, j'ai toujours eu l'impression qu'il avait une encre, quoi. Je suis prêt à changer le monde. Et vous? Et lui, il est prêt à changer le monde. Allez, hop! Venez tous chez moi. Vous allez payer un max pour changer le monde. Hop. Et maintenant, tu vas protéger ce petit bateau. Est-ce qu'on reconstruit pas un autre navire? Vous avez vu ce reportage à la télé? De plus en plus de gens immigrent. Ouais. On va le construire, ce bateau. C'est celui-là. Un navire cargo. Est-ce qu'il y a un fond? C'est dommage qu'il n'y ait pas de fond marin ici, là. J'aurais bien squatté par là. Avertissement. Arrêt complet de la production. Aussi, il y a un super plan, là. Bref. Oh là, là, tu me... Je peux que te faire confiance, là. Vas-y, montre-moi. I'm ready. Alors attends, ce qu'on va essayer de faire, je vais mettre le jeu en pause. Et ce que je vais essayer de faire, c'est créer une scène pour voir un peu de ce dont tu parles. Hop, hop, hop. Hop, on va copier, coller. Alors, tu m'as envoyé en MP. Yes, je vois. Alors, Toum. Toum. Et maintenant, capture de fenêtre 2. Ah oui, effectivement, ça m'a viré. Mais attends, j'ai eu un nouveau sub là. Clouef. Je suis aveugle à ce point là, je regarde pas qu'on... Eh oui, Clouef, désolé, j'ai pas vu ton... Salut. Putain, c'est bizarre, j'ai pas eu l'alerte. Bizarre. Ouais, pourtant il y a 2 heures. Ah mais il y a 2 heures, attends.
Il y a 2 heures. Ah mais non, mais j'étais pas en stream il y a 2 heures. C'est pour ça. Et en fait, c'est un abonnement hors stream. Du coup, on en était où? Voilà. Toi, je veux que tu me montres. Ah, je peux pas. C'est pas ça. Alors, annuler. Ah, attends, parce que les trucs rapides sur... Ouais, j'ai vu la première photo. Ah, attends. Supprimer. Oui, je veux rajouter une scène. Rajoute-moi une scène. Capture d'écran, non. Ben non, mais navigateur, non. Parce que ma capture d'écran, elle marche pas. Et pourquoi je peux pas capturer la fenêtre Google Chrome, là? Chrome X. Ben voilà, Chrome. Ok, voilà. On y est. Donc, tu nous parlais de cette image-là. Et je vais essayer de t'avoir... Hop. Ouais, je veux montrer la photo sur l'écran, c'est comme ça on voit de quoi je parle. Dans le deuxième, c'est le gros port. Le gros port. Franchement, les photos sont cool. Et ça, c'est le bâtiment éco, je crois. Hein. Ah ouais, la vache, il est balèze ton porc. Hop. Ah ouais. Ah, tu t'es fait chier. Oh, c'est quoi ça? Un phare? Il y a des phares dans le jeu? Hop, et le dernier. Yep là. Ah ouais. Ah oui, effectivement, tu t'en fous quoi de l'optimisation. Ah oui, du coup, t'avais même mis des villes du comment des techs ici, là, je vois. Ah, c'est intéressant. Hop. Et on retourne sur la partie. Mais du coup, ça, en fait, voilà, on va le mettre là parce que ça bouffe en fait sur l'income. Et sur les villes, il n'y a même pas des poissons. Ah ouais, ouais. C'est marrant ça. Moi j'aime bien les poissons. Ah merde. Par contre, qu'on puisse pas utiliser ces touches là. Bon, il faudrait que je fasse les raccourcis. Allez, les derniers, on attend les derniers là. Les 6 derniers. Puis après, on les repasse en niveau. Gros salaire. Enfin, petit. Grosse taxe. Pas d'essor sans la croissance qui va avec. Hop, voilà. Et là maintenant on est bon. Toi, nouvelle route commerciale, c'est la route des techs. La route des techs, elle fait ça pour l'instant. Ici. Ah bah elle va même peut-être aller là en fait. Yeah, elle va aller là. Non, dans cet ordre là. Voilà. C'est toi. Tu peux y aller. Alors, à quoi là? Nous chargeons des alicaments à fruta et nous chargeons du pétrole. Le pétrole, voilà. À Fotano, nous déchargeons le pétrole. Et nous chargeons du carbone. Et ici, nous déchargeons du carbone et des alicaments. Non, c'est l'inverse. C'est pas le bon. Je me suis trompé sur ça. C'est décharger. Des alicaments
et du carbone. Voilà. Moi j'aime bien que quand même il y ait une certaine que les îles soient assez, enfin qu'elles se débrouillent toutes seules. Donc, j'ai reçu un petit message. Je regarde vite fait si c'est pas important. Non, pas du tout. C'est oh la merde. Alors. On rame un peu là, mais on essaye de stabiliser, de se faire un... Bon, enfin, de... Ouais, de stabiliser, c'est ça. Notre situation. Ici, donc, nous allons devoir prod du pétrole. Non, ça, on n'en a pas besoin. On a besoin de ça et de ça. C'est fini pour aujourd'hui. Fermez les écoutilles. Salut. Et hissez les grands voiles. Salut petit bonhomme. Donc, les techs. On veut du pétrole. On n'a pas assez d'argent. Tout simplement. Tout simplement pas assez d'argent. Hein. C'est... Donc, le Viper qui est ici va nous... Est-ce qu'on vend ici? Commerce. Oui. Mais ici... No, hein. Vendez-moi de l'armement. Donc toi... Je suppose que du coup c'est plein. Bah oui, évidemment. C'est pas grave, on va faire l'argent en vendant une grosse quantité d'armement à un mec. Le premier qui passe. Ah, je peux pas encore faire ça là, c'est chiant. J'aimerais bien savoir à quoi il ressemble le bâtiment. Bref. Hop. Hop. T'es là, toi? Et bah, ça va rester là, c'est pas grave. Ah bah, c'est lui qui nous l'a donné, l'argent, bah voilà. Pétrole. Boum. Alimentation en énergie inadéquate. J'ai pas regardé mon énergie, je vais trop vite. De toute façon, ouais, ici c'est clos de toute façon. Ça fera un peu vide, mais c'est pas grave. Conclusion d'un traité de paix entre voisins. Pendant que eux font la paix 4 fois par matin. Pourquoi j'ai pas assez d'électricité? Ah si, ouais. Donc là maintenant, on va espérer ne pas avoir de feu. Alors, tu es arrivé ici, oui. On vend. On va vendre des armes. Bonjour, petit bonhomme. Avertissement. Écologique. Arrêt complet. Tout fonctionne comme du papier à musique. Est-ce que tu veux des balles pour tirer lors de tes manifestations pacifiques? C'est quoi qu'il y a là-dedans? Oh! Oh! Oh bah... Et ben voilà. Clairement, le mec qui a fait tomber ça, il est triste. Hein. Le plus, c'est 60%. Hein. Et 40%, c'est déjà bien. Hein. Quand on voit que celui-là, il me donne plus 15%. Bon, après, plus des points de vie régénérés. Et ça va virer ça. Ça, c'est bien pour les bateaux de transport. Qu'est-ce qu'on voulait ? Je suis là, mais ma business m'attaque. Attention à pas mourir. Je crois que nous n'avons plus de riz. Il nous faut du riz.
c'est 4 de riz. Saloperie de riz. Hop. Ça va pas passer ça. Hop. Du riz. Ah, ça passera encore moins comme ça. On va y arriver, on va y arriver, on va y arriver, vous en faites pas. Ce n'est qu'un contre-temps. Clairement lui il me régale hein. C'est il achète mes flingues par mes armes comme un dingue et ça nous va. Hop, on va améliorer le dépôt histoire qu'il aille chercher plus vite les ressources. Oui. Alors, non, ici on construit plus, on arrête de construire ça. Là. On arrête de construire eux, on va s'occuper de ces gens-là. Donc, cette confrontation ne peut plus être évitée. Ouais, bon, oui, bon. Écoute, je commerce pas avec elle, donc ça me dérange pas. Non, c'est il faut que je sois chez les techs et que je construise. Encore une baraque, je dirais. Hop. Ensuite, il m'en faut combien? Ben, ça arrive. Nouveau bâtiment disponible. Donc, pour faire ceci, il nous faut de la betterave à sucre. On n'a pas. Et il nous faut du café, qu'on a. Est-ce que ici on fait de la betterave à sucre? Non. Est-ce que ici? Non. 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 Où est-ce qu'il n'y a pas de betterave à sucre? Ici, il y a de la betterave à sucre. C'est une jolie petite île. Mais ça ne nous intéresse pas. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va on va faire plein de baraques, hein, on va pas s'embêter. Ah, t'arrives trop tard, Madame Rodriguez. Avec ça, on peut aller... Ouais, c'est bon, on en a 200. Donc, on peut tout débloquer. Accès au marché financier établi. Et voilà, négociation d'actions possible. Achat d'actions enregistré. Oh non! J'avais oublié ça! Paramètres d'investissement favorables. Les actions. Je vous recommande d'acheter des actions. Comment je vois mes actions? Oui. Je veux. Oh non, 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 ça coûte trop cher! Ici. Oui. J'achète. Mouvement enregistré sur le marché des actions. J'avais oublié ça. Partie sauvegardée.
Et une fois, je me suis fait racheter mon île principale, j'étais pas... J'étais pas... T'es en mode bug, qu'est-ce que... Quoi? Alors, est-ce que ici nous avons du pétrole? Yes! Ouais, c'est le DLC, ouais. Ah, ça te met une pression d'enfer, hein. Tiens, on va construire ça ici. C'est les nouvelles usines de pétrole qui volent. Ici. Tel des phares dans la nuit. Avertissement. Incendie détecté. Quoi? Non. Ah. Ouf, c'est ici. Ouais, le DLC des actions, ça fait peur. Ouais. En fait, pour ceux qui connaissent pas. Bonne nouvelle. Ici, j'ai l'incendie des actions. L'incendie a été maîtrisé. Si que je peux acheter tous les temps de temps. Si je détiens les parts majoritaires, je peux acheter l'île. Sans avoir à déclarer la guerre à la personne et tout. Donc nous, nous voulions construire du carbone. Donc pour construire du carbone, il nous faut une centrale de raffinerie de pétrole. On va poser au calme. Ici. Je vous rappelle qu'on est des écolos. Hein. Moi, mes usines de pétrole, j'aime bien faire des trucs assez badass. Ouais, ici, c'est bien là. Boum! Boum, l'usine de pétrole. Et toi, je te monte d'un niveau. Là, tu vas recevoir du pétrole. Et en face des usines de pétrole, on va aller chercher de quoi faire du carbone. Alimentation en énergie inadéquate. On n'a plus assez d'énergie. On va mettre une petite éolienne pour bien montrer qu'on est quand même un peu écologique. Hein. Hop. Donc faut toujours garder un peu d'argent pour acheter. Alors faut savoir quand même que les actions c'est pas non plus à perte à long terme. En fait, plus on a d'actions, plus elles rapportent de l'argent et tout. Par exemple, ici, si j'achète cette action, là, je suis à plus 105. Ça va me rapporter plus 105 par tour. Par déclaration de guerre entre voisins. Voilà, pendant que les autres se déclarent toujours la guerre, on continue. C'est bien, elle a attendu que l'autre me demande de ne pas faire de commerce avec elle pour me dire on fait des commerces ? Mais bon, apparemment, ça compte pas dans la mission. C'est moi qui dois juste pas aller vendre chez elle, quoi. Mais si c'est elle qui vient acheter, c'est ok. Toi, qu'est-ce qu'on a plus? Finalement, on n'a pas assez de créateurs de composants. Il faut quoi pour créer des composants? Du sable, et ça, du sable, on en a. Donc, on va... c'est ça qu'il nous faut. Comme ça. C'est parfait ici. On commence à avoir une jolie petite usine qui fonctionne. Et on va aussi construire, ici ça va être un peu la zone de, ça va être l'île de la production, hein, vu qu'on est à moins 222 à cause de l'usine du réacteur nucléaire détruit, là, on est content. Hein. Le beau réacteur nucléaire qui va bien. Et c'est nous qui avons choisi de venir sur cette île, hein. Comme quoi on est des fois un peu cons. Alors, on voulait s'occuper des techs.
Les techs. Il nous faut du carbone, c'est ça, pour construire le laboratoire. Alors comme ça, vous n'avez pas oublié Eden Initiative. Alors, enfin, je vais vous expliquer un truc que j'avais pas expliqué. Ici, j'avais expliqué au premier stream qu'on avait les capacités de culture de l'île. Donc le thé, le riz et le café. Et la point d'interrogation, et maintenant que j'ai mis la souris dessus, on voit créer une fertilité. Et du coup, il faut que je trouve chez ces gens-là des gens qui me vendent la fertilité de la betterave. C'est ça, hein ? Hop. La betterave à sucre. Alors, donc, comme elle, ça, elle vous n'avez pas oublié Eden Initiative. Toi, tu me vends. Prouvez-moi que j'ai eu raison de vous faire confiance. Du riz, c'est nul. Hein, autant on trouve du riz partout. Du riz. Du thé. Ils me vendent tous des trucs qu'on trouve dans les îles avant principales, que c'est super. Le pétrole ne soit épuisé. Du j'en riz. Aurais depuis longtemps exploité d'autres. De la salade. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Plus 30%. Ça m'intéresse, par contre. Where is my boat? Hop, toi tu viens ici. Et c'est tout, hein, j'ai fait le tour de... des totaux, donc maintenant faut que je les paye pour changer. Avertissement. La compagnie attend des résultats. Ça. Ah, des légumes, quoi. Et toi? Ah non, mais ils se font salement la guerre. Hein. De la betterave, c'est bon, on l'a. Là, mon bateau, je vais pouvoir lui mettre deux réacteurs, deux propulsions augmentées. Non, je suis sûr que nous trouverons à tous les coups longue. Comme ça, quand j'aurai besoin de lui, il va aller super vite. Il va pouvoir traverser la map ultra rapidement. Ah, mais c'est pour ça qu'il y avait des trucs qui traînaient. Parce qu'il y a Vladimir qui est venu lui casser la bouche. Par contre, j'aimerais bien le garder lui parce que c'est trop bien pour vendre. Vous vous rappelez qui vend la betterave? Je crois que c'est toi. Hein. Sokov Transnational. Merde. A recours à des technologies qui permettent. Ah non, c'est lui. Oh bah, mine-toi. Vite. Il va détruire le truc. Vite! Activer ce bâtiment pour augmenter le bilan écologique des îles, ouais. Et ça coûte de l'argent. Ravi de vous revoir. Ça c'est quoi ça? Non. Non. Ça c'est quoi? Portée d'attaque. C'est jetez un coup d'œil à tous nos trésors. Stoppez là. Trop bien. Hop, je te pique ton truc à toi. Qu'est-ce qu'on a récupéré? Non, je l'ai pas pris. Prends-le. Pourquoi je peux pas le prendre? Oh, je peux pas le prendre. J'ai peut-être pas assez de place. Peut-être que c'est... qu'il y a beaucoup. Je dépose ça là. Non, je peux venir le récupérer. Attends, parce que ça se trouve, c'est important. Hein. Ça se trouve, c'est plein de pétrole et tout. Non, genre, je sais pas pourquoi je pouvais pas le récupérer. Alors, du coup, on vient récupérer ça. Et on va le mettre sur un de nos navires de commerce. Celui-là, là, celui... Ah, celui-là, exactement. On dépose la betterave sur cette île. On l'installe et on va pouvoir faire notre premier... notre truc à café. Comment ça s'appelle, notre truc à café? C'est une plantation de café, tout simplement. Et du coup, faire ensuite des usines de boissons énergisantes. Donc les mecs, franchement, les docteurs, enfin les docteurs, les chercheurs, des gros drogués. Hein. Les mecs, ils se dopent comme jamais. Les gars, ils bouffent des médicaments et ils prennent des boissons énergisantes. Ça, c'est bien. Et on essaye de choper celui-là. On peut construire ça maintenant? On n'a pas assez
de carbone. Hop, ça c'est pour toi. Tu te l'installes. Bah c'est parfait, il l'a pris. On va tricher un peu, on va récupérer le carbone tout de suite ici. Ah, il en fait pas beaucoup. Hein. Hop. Ça marche comment? Pétrole. On va essayer de voir si on peut pas augmenter la fabrication en en mettant un deuxième. Voilà, on est juste. Niveau pétrole. À niveau pétrole, par contre, on peut. En fait, c'est ça qu'on aurait dû. On faut rajouter les deux. Mais par contre, il faut une nouvelle éolienne. Il faut qu'on anticipe le besoin. Je suis un peu just partout là. Voilà. On anticipe et on peut poser notre deuxième raffinerie de pétrole. C'était là. Non, c'est ça. Donc les écolos qui sont clairement venus nous pervertir, hein, parce que avant on faisait pas de pétrole et maintenant à cause d'eux, ouais. Technologie, c'est le mal. L'avantage de pouvoir de mettre comment des usines qui sont sur la même ligne de fabrication, quand j'appelle une ligne de fabrication, c'est ceci, par exemple, là. C'est que ils sont pas obligés d'aller au dépôt pour aller chercher les ressources. Ça veut dire que là, par exemple. Cette usine là a besoin de pétrole, elle va directement le chercher dès qu'il y a du pétrole de dispo. Et du coup ça économise un véhicule du dépôt qui en a que 3. Là ils sont, c'est marqué ici. Vous le voyez là, ouais. Ma caméra gêne aussi pour voir ça là. Voilà. Faut pas hésiter à dire hein, si on voit pas des trucs avec la caméra. Peut-être que la caméra, je devrais la mettre là en fait. Okay. Je devrais vérifier. C'est pas un réflexe que j'ai encore de vérifier. Vous si la caméra en tirez un petit choses. Quelque chose, vous aussi. Oui, bah allez, j'accepte. Where is? Faut que j'aille chercher là-bas la marchandise. Alors on va chercher la marchandise en plein secteur pirate. Hop, on va déposer quand même le carbone, ça serait bête de le perdre. Ah oui, alors là on doit pouvoir acheter. On va acheter ici. Les premières coûtent pas cher. L'action de l'île change de propriétaire. Hop. Et même les îles sous-marines, hein, elles sont sujettes à ça. Hein. Vous en tirerez un petit quelque chose. Je suis sûr que vous... Hop. Et maintenant, alors là, le but, c'est d'arriver... C'est d'arriver à ce petit bateau. Véhicule attaqué. Oui, c'est ça. Bah, jamais de la vie vous... Alors voilà, l'avantage d'aller super vite aussi, c'est que les navires pirates ne vous... Ah voilà quoi. Salut. Donc là, le but, c'est d'atteindre le bateau avec la marchandise sans passer dans les zones de scanner. Là, vous avez vu, hein. Le mec traverse l'île, hein. La map. Qu'est-ce que tu fais, toi? Ah oui, le mec a perdu son île. Oh, par contre, il y a moyen que je la récupère, son île. Ouais. Des truffes? Est-ce que ça m'intéresse, des truffes? Non, ça m'intéresse pas. Hein. Partie sauvegardée.
Alors, on y est. Hop. Voilà, c'est bon, c'est gagné. Sokov transnational. Et donc on a eu... Eh ben c'est parfait ça, c'est très bien. Ah bah toi tu vas te mettre ici. En fait c'est cette île là, non. Cette île là, bof, hein, elle m'intéresse pour rien. Celle-là elle m'intéresse... Non, elle m'intéresse pas. Hein. Celle-là, elle m'intéressait. Enfin bref, on va pas se plaindre. On verra si on la colonise, mais après. Ça, on le donne. Alors, est-ce que nous pouvons enfin construire notre laboratoire? Oui. Pénurie énergétique détectée. Tac, tac, tac. Les écolos, toujours. C'est notre première éolienne de l'île. Et là, c'est le feu. Déjà, première chose, on construit ceci. Un extincteur. Pourquoi? Parce que les usines de pétrole là, elles peuvent prendre feu. Et ça, ça sert à les éteindre rapidement. Ça bouge, acquisition ça foncière non. Par un autre individu. Du coup, il s'est refait une île, mais loin. Oh là là, ici. Il y a ce qu'il faut sur cette île. Hein. Moi, il me faut une île avec des légumes. Oula, la petite île là. Ouais, celle-là. Putain, la vache, y a rien là-dedans. Et celle-là? Non. C'est pas cool. Des îles petites comme ça, là, c'est vraiment... On va finir d'explorer hein, ce qui nous reste d'îles à voir, là. Et du coup, on va s'intéresser à ce niveau-là. Alors, il nous faut des pâtes. Des pâtes, il nous faut du blé et des légumes, je crois. Du blé et des légumes, c'est parfait. C'est parfait. Donc c'est ici qu'on va faire des pâtes. Ici, on veut du verre. Il nous faut une carrière de calcaire. Est-ce qu'il nous reste une carrière disponible? Oui, il nous en reste deux. On a bientôt plus de charbon ici. Et ici, le basalte et le charbon, ils sont au fond aussi. Calcaire. Donc, elle est où la mine? Elles sont où les deux mines qui restent? Ici. Avertissement. Hop. Production interrompue. Et hop. Une seule, je pense que ça suffit hein, pour produire du verre. Non, une autoroute. On va remettre une usine de sable. Enfin... Ah, par contre, on va remettre aussi un dépôt. Un dépôt. Le sable. Ici. La route. Et la fabrique de verre. Boum. Pénurie énergétique détectée. Y
Ici, on monte. Il va falloir rajouter encore une éolienne. Non, c'est très mal positionné. Les scanners recensent les habitants sur cette île. Il habitait, tu m'étonnes. Eh les gars, une nouvelle victime. Oh la vache, il y a tous mes bateaux qui sont partis à ma poursuite. Mais normalement, au bout d'un moment, ils décident de laisser tomber. Hein. De toute façon, je pourrais faire 50 fois le tour et qu'ils m'attraperaient jamais. Le nouveau cobaye. Je plaisante. Je suis le professeur Davy. Bienvenue à SAAT. On veut mettre une mine ? Je savais même pas qu'il y avait des mines. Ça, c'est intéressant. Bah, lui, il vend des. Que tous ceux qui veulent jeter un coup d'œil à mes nombreuses marchandises s'approchent. Attends, il me course encore là ? Mais oui, il me course encore. Ok. Ça, c'est dingue. En fait, ils sont hyper chauds pour m'attraper là. Je peux construire une toile. Vite. Hop, on va leur faire le coup de... Venez. Voilà. Boum. Alors comme ça, la Barracuda League est la victime, une fois de plus. Et tout le monde s'en fout. Normalement, je joue vite. Et pendant que eux sont paralysés, ceux-là, ils vont pas réussir à me suivre. Lui, il va aller se réfugier dans ce petit port-là. Ça, c'est la bonne technique pour s'occuper des pirates, hein. La grenade IEM. On détourne vos vieux rafiaux ou on les coule. Est-ce qu'on peut me demander de te parer ? Enfin, pas de te barrer, mais de bouger d'endroit, non ? Je crois pas que je puisse. Dirigez votre attaque contre l'ennemi, le vrai. Je peux vous donner quelques noms, mais lui, il m'énerve. Si vous voulez. Lui, il m'énerve grave. Permettez-moi de vous remercier. Voilà. Cette personne. Il m'énerve moins, là. Fin d'un conflit militaire entre voisins. Alors, qu'est-ce que vous avez laissé tomber ? Oui. Des coordonnées, il faut de l'armement, des modules de construction. On n'en veut pas. Et ça ? Ah oui, non, mais la femme militaire, elle, jamais. Alors, hop. Avertissement. Production interrompue. Et... C'est quoi ça ? Mouvement enregistré sur le marché des actions. Il nous faut de la marchandise, il nous faut des armes. Non. Et... Développement du module terminé. C'est parti. Pourquoi ? Ah oui, pourquoi ? Pourquoi c'est... Oh, il va se faire démolir. Oh ? Qu'est-ce que... Attends. Ah oui, d'accord, c'était en mode énorme, mais... Allez, vas-y. Tu tapes le sprint de ta vie, là. Lui, il est abîmé, il n'arrivera pas à te rejoindre.
Toi, t'es en pleine réparation. On va récupérer ça. Alerte. Attaque de l'un de vos véhicules. On va aller vendre ça. C'est dommage que... Ah, il est là, lui. Salut. Qu'est-ce que t'as à vendre ? Expédition lancée. Ouf, il a réussi à partir avant que les pirates arrivent. Non. Qu'est-ce qu'on veut ? Ça non plus. Non plus. Hop. Ah, ça c'est pas mal ça. C'est, je sais pas c'est quoi, c'est une erreur, ça, c'est une erreur de... Ça je prends ça. J'ai sélectionné un tas de choses intéressantes. Bonne affaire. Parfait. J'adore. Voilà, lui il faut toujours faire du commerce avec lui, ça augmente notre influence. Et après, ça, eh bien, regardez ça. Prolonger le séjour, ça veut dire qu'en fait, on se débrouille pour qu'il soit tout le temps là. Véhicule attaqué. Permet d'avoir une flotte marchande. Bon, faut voir. Augmente alerte. Les quantités de marchandises attaque disponibles. Attaque de l'un de vos véhicules. Voir, parce que forcément, il y a les véhicules qui sont attaqués. Oui. Je veux bien que tu attendes ici. Et désolé. Voilà. Avant le DLC, tu pouvais capturer les îles avec tes joueurs qu'avec les hélicos, qu'avec un hélico. Ah ouais ? Je me rappelle même plus comment ça se passe les invasions des îles. Je crois qu'ici il faut détruire les bâtiments, mais alors. Hop, et voilà. Ici, on va améliorer l'île comme ça. Voilà, grâce à ça, on peut, sur l'île, là, si je vais voir le thé, ils ont un bonus de 25%. Ça veut dire qu'on passe à 135%. Faut que j'aille voir ce bateau-là. Qu'est-ce qu'il le répare ? Ouais, c'est... Ils me font chier, les bateaux pirates, là. Là, ils refont chier, hein. Okay. Débosse ça et tu retournes là. Il est où mon autre navire là? Toi. Il nous faut, ouais c'est ça, je l'ai mis là pour qu'il aille chercher des flingues, enfin des armes. Ah il passera pas. Ah mais les pirates quoi. Bon bah je suis bon pour recommander un nouveau navire. Avertissement. Attaque ennemie du bâtiment. Je vais mettre des tourelles ici aussi. Hein. Qu'est-ce que j'ai pas ? Des modules de construction, d'accord. Oh là 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 ! Ils me font péter un plomb, hein, les pirates. Cette île-là qui sert pas à grand-chose. Avertissement. Arrêt complet de la production. Ça va venir. Hop. Venez, cadeau. Ouais, je sais, mes prods sont surchargés. Ouais. Enfin, ça devient. En fait, je voulais en faire quelque chose de cette île, mais finalement. Nothing. Partie sauvegardée.
Ça fait combien de temps qu'on est en stream? Ça va faire 2 heures et le jeu va bientôt nous dire que... Terminé. Il va falloir que je fasse une pause d'ailleurs, ça va être marrant. Mais c'est mon métier le jeu. Non. C'est toi que je veux. Alors, qu'est-ce que tu me dis? C'est pour ça que je mélange pas mes villes et de mes prods, comme ça je déplace dans le surplus, ouais. Ah mais il y en a vu encore là, mais c'est pas possible. Arrêtez. Là, il va me dire que bien sûr je peux pas construire. Ah si. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Merde. Attends. Allez, t'es. Véhicule détruit par des tirs ennemis. Qu'est-ce que j'ai perdu? Vas-y. Navire amiral prêt. Oui. Navire amiral prêt. Veuillez embarquer. Ouais. Mais non. D'accord. Ça c'est quoi ça? Dossier top secret. C'est pour toi. Ça, poubelle. Toi, tu récupères. Attention. Santé critique de la population. C'est la misère. Non, pas ça. Putain, c'est vraiment pas ça, pas ça. Le Mistral. Non. Mais c'est lui là que je veux. Là. Non. Oui. Perte d'un véhicule de l'expédition. Super. Non. Là je suis en pleine réflexion sur ma défense. Voilà. On va mettre ça comme ça. La déco est ici. Et on rajoute ceci. Pénurie énergétique détectée. On a plus d'énergie. La petite éolienne. Annonce d'une bien. Déclaration de guerre entre voisins. Donc. Je ne refuse jamais. C'est un excellent okay. investissement. J'ai vu. Voilà, c'est ça. Là, tu viens ici. Et. Oh non, tout a disparu. Bon, est-ce que mes routes ont les bateaux? Avant Léon, ça ne sert plus à rien. Il est plus aussi près qu'avant. Alerte. Attaque de l'un de Attaque vos véhicules. De pirates. Allez, tant qu'à faire. Tant qu'à chier jusqu'au bout. La santé de la population est stabilisée. Eh bah ben, heureusement. Hein. Mode de vie, 0. Qu'est-ce que t'as récupéré alors? Des armes. Alors, qu'est-ce qu'on récupère ici? Ça, on va aller vendre tout ça, là. Non, ça on regarde. Avertissement. Véhicule attaqué.
Je crois que je vais aller vendre des trucs, hein, parce que, comme tu dis, ça sert à rien que ça pourrisse dans mes stocks. La compagnie a toujours une certaine ravie de vous aider. La compagnie attend des résultats. Oui, oui, oui. Avertissement. Arrêt complet de la production. Donc. Je suis prêt à changer le monde. Et vous ? Ah oui, mais non, ça marche pas, ça. J'ai du mal à garder le cap sur les tablettes, hein. Ah bah, allez, venez. C'est l'heure du dodo ? Bah, salut ! Ah non, c'est pas pour toi l'heure du dodo, excuse-moi. J'avais mal compris. Oh, ça m'intéresse, ça. Des transmetteurs. Attends, pourquoi j'ai si peu de... Ah oui, il faut que je rajoute des usines de production de sushi, là. Alimentation en énergie inadéquate. Voilà, là, on va en produire des sushis. Ouais, là faut que je fasse monter ma population parce que j'arrive à un niveau où je peux plus produire assez d'électricité. On va mettre des arbres. Qu'est-ce qu'il nous propose comme déco, hein ? Pas des arbres. Aller d'arbre. Voilà. C'est joli, hein. Oh non. Super, hein. Hein, c'est surtout attention aux routes, regarde. N'importe quoi. On est content, hein, d'avoir mis des beaux arbres. Ah, je peux les mettre sur du goudron, les platanes. Non. Alerte. Attaque de l'un de vos véhicules. Hop, on va faire un truc joli, là. Attaque de l'un de mes véhicules, c'est pas grave, on plante des arbres. C'est écolo. Alors, attaque de mon véhicule. Ah ah. Ah mais c'est normal, c'est, tu les débloques au fur et à mesure.
Et j'ai pas des déco tycoon aussi. Là, vous voyez, ils sont beaucoup moins chauds, les pirates, pour venir me chercher. Là, maintenant qu'il y a des tours partout, là. Enfin. On va pouvoir passer à l'étape supérieure. Donc. Et oui, c'est vrai qu'on s'était dit qu'on allait mettre du nouvelle fertilité. De la fertilité, cette fertilité-là. On ne peut pas acheter ici. Alors, on allait faire du café, des boissons énergisantes. Avertissement, production interrompue. On va aller, non, alors... On va quand même pas faire ça à côté. On va faire ça par là. Hop. Et... ouais, par là. L'épouse par là. Donc, betterave à sucre. Il faut combien de champs? 7 champs. Ah oui. Ça y est, ça aussi, je crois que c'était un truc qui me faisait péter un plomb. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hop, hop, hop. Hop, hop. Pénurie énergétique détectée. Non, qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas ça que je voulais faire. Déjà, on va mettre la petite éolienne qui va bien. Éco, énergie, boum. Ensuite. Donc, on construisait le café. Chez les techs. J'ai pas assez. Il faut des modules. Mon petit bateau. Mon petit bateau qui va vite. Il est où mon petit bateau qui va vite? Il est là. Prouvez-moi que j'ai eu raison. Votre progression intéresse beaucoup le conseil d'administration. Global Trust Inc. est toujours là pour vous. Moi qui faisais des armes. On est à combien de marchandises de... Ah oui, non, ça y est, il consomme maintenant. Ouais. C'est comme si vous étiez déjà mort. Hector nous attaque. Ouais, mais il a plus le temps maintenant de détruire le navire. Et ils se font réparer entre temps. En plus, lui, il a le speed. Ouais. C'est plus aussi efficace et dangereux qu'avant. Je ne sais pas si Anno pourrait bien tourner maintenant, mais je pourrais essayer de prendre une photo de ma grosse île de prod de ma partie libre. Ah bah ouais, bah essaye, hein, carrément. En espérant ne pas faire mourir ton PC, quand même. On va se charger à fond. Hop, comme ça, les usines ici, elles vont tourner. Attendez, je vais faire un truc. Hop. Est-ce que je peux charger? Non, je les ai pas, hein, les autres. Faudrait que j'importe mes données, mais je crois qu'on peut pas. Faudrait que j'ouvre mon autre PC. Ouais, bah c'est vrai que quand t'es un gamer, ne plus avoir de PC. C'est un PC portable ou un PC fixe que t'as? Action neutre obtenue. Oh l'enfoiré. L'action de l'île change de propriétaire. Portable.
Vous devriez peut-être faire une pause pour revenir en pleine forme. C'est le moment. C'était à l'époque où les jeux te disaient « ça fait trop longtemps que tu joues. Perce-toi. » Passe là. Oui. Non mais quelle optimisation aux petits oignons quoi. C'est pas vrai? Si ça, c'est pas d'optimisation, ça. Donc on a fini avec les betteraves, maintenant on va mettre du café. C'est combien le café? 6 champs de café. Allez, c'est parti pour un peu de Tetris encore. 3. Ah non, c'est 4, les cafés. Avertissement. Arrêt complet de la production. Hop. Ça y est, je me rappelle que le café c'est l'enfer. Il faut bien de la place pour le café. Ouais, voilà, c'est là. Boum, boum. Déconne pas avec le café. J'ai même pas mis d'autoroute ici. Ah si, c'est des autoroutes. Et enfin, la boisson énergétique. Alimentation en énergie inadéquate. Where is the éolienne, elle est là. Et on refait du café. Cette mission pourrait nous rapporter une fortune à tous les deux. Non, je pouvais pas faire ça. Ça, et voilà. Tu places tes bâtiments de prod sur la route et les champs, tu les places de l'autre côté de la route pour en priorité derrière ton bâtiment de prod. Tu penses que ça peut marcher ça? Vas-y, alors attends, déjà je vais aller chercher pour eux, c'est où? C'est ici. Alors là, faut aller chercher les gens en bleu. Ici, ah, j'en ai vu un et il vient de disparaître. Non, c'est des voitures que je dois trouver? Ah oui. Une voiture. 2. 3. 4. J'en ai combien? Ah, des adeptes de vitesse. Ah, j'en ai vu. Ah. Ah. Il y en avait un autre par là. Non. Là, j'en ai vu un. Ah oui, ils vont plus vite que les autres de toute façon.
manque encore combien? Where is the... ben ils sont où? Ah bah tiens, j'en ai 6, d'accord. Toi. Attends. Tu viens ici. Ouais, ouais, bah ouais, ouais, faut montrer, ouais. Et toi, tu parles de ça, là? Attends. Non, j'ai bien compris que c'était pas comme ça. Hein. Attends, ce qu'on va faire, regarde. Changement démographique détecté. Ah non, mais attends, parce que eux, ils sont en train d'évoluer, là. Non. Vous évoluez comme moi, je le dis. Hop. Je fais ma route, par exemple. Je mets... mon bâtiment de non pas de café si de café ici, alors il m'en faut quand même 4. Tac, donc 1 2 3 4 5 et 6, mais je trouve que ça fait des trous en fait ici. C'est ça dont tu parles? Bon bah voilà, bah, j'ai pas compris alors. Ah oui, tous derrière en priorité, d'accord. Avertissement. Production interrompue. Comme ça, par exemple. Et là. Voilà, là, ça serait plus comme ça. Et là, j'en mets un ici, par exemple. Ouais. Ouais, à part que c'est pas collé à ça, mais ouais. D'accord. Bon, bah, faudrait que tu me montres une image. Alors, ici, on peut monter. On a découvert des nouveaux, des nouvelles technologies. On va pouvoir construire des missiles high-tech. Alors ça, c'est le feu de Dieu. Ça se vend une fortune. Ah, au fait, d'ailleurs, j'ai même pas construit ça. Un impact environnemental négatif réduit la fertilité. Qu'est-ce qu'il faut? Ah ouais. Ouais, ça va, ça marche bien. Alerte. Attaque de l'un de vos véhicules. Là, je suis plutôt content de mes petites défenses. Là, elles protègent bien mes lignes. Voilà, le bateau, on va le laisser partir parce que quand ils sont lents comme ça, quand ils sont détruits, bon, ils sont hyper lents. Donc on va jouer au chat et à la souris. Vous voyez, vous avez vu comment ils se traînent par rapport à lui qui se traîne déjà. Donc. Les échos. Maintenant, on va faire évoluer les échos. Hop. Maintenant qu'on a réussi à bien blinder. On a réussi à bien blinder leurs besoins, on va pouvoir les faire évoluer. Il n'y a que des photos pour faire jouer. Bah oui, évidemment. Non mais c'est, il y a encore le truc qui gêne là. Tchac. Voilà.
Il n'y a pas Avertissement. La dette a atteint un niveau critique. Chargement d'une liste de contre-mesures dans le journal. Alors... Alerte. Attaque de l'un de vos véhicules. Ah. Ok. C'est pas grave. Donc, ici, qui on fait évoluer ? On fait évoluer ces gens-là en priorité. Tac. Proche de la centrale thermique, en fait, comme ça, ça va augmenter le niveau de production d'électricité. Et pour monter, il nous faut quoi ? Du bois. Ouais, il nous faut beaucoup de choses. Et là, on commence à voir les premiers immeubles un peu stylés, quoi. D'ailleurs, c'est marrant, les immeubles, ils se sont collés. Ah, c'est marrant, ça, j'avais jamais vu. Oui, ils se collaient entre eux, les immeubles. Et si je fais ça ? Ah ouais ! Il n'y a pas de meilleur leader que vous. Oui, nice. Vous êtes irremplaçable. Hop, et du coup là nous récupérons des ingénieurs qu'on avait déjà eu. Alors là en plus ils sont contents, ils ont des pattes, mais normalement ils vont pas en avoir longtemps. C'était des stocks que j'avais eu d'une mission. Après ils vont vouloir avoir des boissons. C'est étonnant que tout le monde veuille s'installer ici. Notre belle ville n'arrête pas de passer à la télé. Clairement eux ils sont là pour vivre à Paris. Hein. Voilà, petite dédicace pour les Parisiens. Problème. Regardez-les là sur leur terrasse. Après je dis ça, j'ai été parisien pendant quelques mois. Cette conférence était très instructive. Mon amour. Pendant combien de temps j'ai vécu à Paris avec toi? 3 ans. Non. Ah non, hein, je pense. 2 ans. 2 ans. Ouais. Avertissement. On a misé sur le bon cheval en vous faisant confiance. Merci. Opportunité de construction étendue. Vous commencez à trouver. Hop, c'est ok. Qu'est-ce qu'on voulait faire? Donc vous retournez à un niveau plus bas. Qu'est-ce qu'on a plus? On a plus de sushis. Ok. Pourquoi on a plus de sushis? Je vois que cette mission vous intéresse. Non mais non. Un élément de plus sur le... On a plus de sushis parce qu'on a plus de légumes. On a plus de légumes. Parce qu'on a toujours un bateau, Onyx. Il est là. Il nous apporte combien de légumes? 20. En fait, on n'a plus de légumes parce qu'on ne produit plus assez de légumes. Alors, on va reproduire encore des légumes. Ah oui, surtout qu'on va devoir consommer de nouveau des légumes. Quel enfer. Ah ouais, ouais, mais c'est les ingénieurs, ça. Enfin, pas les ingénieurs, c'est les... C'est quoi, production à l'américaine? Oui, oui, je sais, mais... C'était la seule île où j'avais des légumes à dispo au début. Ouais, ouais, ça je sais, ça je sais. En fait, avertissement. Véhicule sur l'île des attaqué. Légumes, il y a ça. Oh merde, j'ai pas... J'ai pas encore livré les bagnoles à l'autre. Là. Achat d'action enregistré. Ok. Lui, il a racheté ça. Ah, moi, je peux plus acheter là. Partie sauvegardée. On en est où des algues là?
Là, ça doit bien consommer les algues. Ah non, ça va. Salut démoniaque, ça va bien? Ça va bien, moi. Je disais quoi avant? Ah, attends, qu'est-ce que tu disais? Il faut que tu sois positif, sinon la prod tombe. Ouais, ça j'ai vu. Alerte. Attaque de l'un de vos véhicules. Alors, dites, on se fait encore attaquer. L'affaire a été réglée? Oui. Regardez, je peux récupérer. Je te revends même ton charbon direct. Tôt ou tard, il me revient. Sokov Transnational vous remercie. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les récupérer. On va les récupérer. Non, rien du tout. On va rien récupérer du tout. On va aller se planquer là, ici. Alerte. Attaque de l'un de vos véhicules. Qui sont partout, là. En fait, c'est les notifications maintenant qui m'embêtent. Avant, c'était vraiment parce qu'ils arrivaient à me toucher maintenant. Ah oui, voilà, on en était à construire des salades. Enfin, à construire des champs de salades. Bah, pour l'instant, en fait, ce que je me dis, c'est que ici, en fait, cette île-là, elle a trois ressources dont je vais avoir besoin pour les échos. Et je sais qu'à un moment, je vais pouvoir le supprimer, ce truc, grâce à une technologie. Donc, et je vais pouvoir compenser après, dès que je vais avoir les bâtiments. C'est quoi? Bah, c'est ici, là. C'est ça, les stations de surveillance. Donc ça augmente de plus 40, ouais c'est pas ouf, mais en vrai, là t'as vu je suis à 93%, c'est pas énorme l'impact écologique que ça a là-dessus quoi. C'est juste que là, en fait, j'avais plus assez de pâte parce que... Pourquoi je peux plus? J'ai plus de bois. Il me faut du bois. Voilà. Je vais me chercher du bois ici. Ouais, c'est vrai que du coup, cette île, elle est passée un peu industrielle malgré... Malgré tout, c'est vrai que normalement c'était pas censé être une prod industrielle, mais c'est le fait que, ouais, bon, on va se débrouiller. Peut-être que c'est cette île là que j'aurais dû faire monter en indus. Vous êtes content, mais vous allez me donner un peu de pognon. Rappelle-moi ce qu'ils font, les techs. Ah bah annonce c'est ça, c'est d'une déclaration de guerre entre voisins. Mon bateau. On a dit qu'on venait chercher du bois. On prend tout le bois ici et on l'emmène chez eux. Ouais. Ouais, t'inquiète, mais ça, franchement, ça va bien se passer. Enfin, comme je te dis. Ouais, quand j'arrive au dernier citoyen, je pourrais avoir les tycoons, ouais. Mais 93%, franchement, ça, c'est pas grand chose.
Du coup, nous voulions construire... Avertissement. Encore des trucs. Arrêt complet de la production. Des fermes. Attends, on va pas déconner. On va faire des... Alerte. Attaque de l'un de vos véhicules. Ça va, Orca, il se débrouille bien. Oui, il se débrouille bien. Ça va parce que lui, il a... Non, il a pas le speed. Hein. C'est juste, il se débrouille bien. Ouais, normalement, moi, je joue Tycoon, mais là, pour changer un peu... C'est vrai que j'aime bien commencer Tycoon. C'est plus rapide, hein, Tycoon. Hein. Le fait de pouvoir faire des usines et tout, là... 4 champs. C'est des champs énormes par contre. Un impact environnemental négatif réduit la fertilité. Alors. D'accord, on va faire ça comme ça. Je mets les bouts avant que les autorités se pointent. Ouais, vas-y, mets les bouts. C'est Renault lui, hein, clairement. Hein. Si vous l'aviez pas reconnu. Toujours là, toujours vivant, la banane, quoi. Mais tu vois, moins 999, tu m'étonnes que tu te tapais des tornades et tout. Mais je comprends que des fois ça donne envie de faire des parties où tu dis nique l'écologie quoi. Ici, nous allons pouvoir construire une usine de pâtes. Hop. Et alors là, par contre, c'est risqué. Là, c'est risqué parce que ce qu'on risque de faire, c'est consommer toute la nourriture, enfin tous les légumes. Faire des pâtes, donc faut vraiment bien doser maintenant. Alimentation en énergie inadéquate. On a plus d'énergie. Yep. Où est-ce qu'il y a de la place? Ici. Ici, de quoi il nous manque? Il nous manque du charbon. On n'a pas assez de charbon ici. Sans blague. On n'a pas assez de charbon. Il nous en reste combien là? Faut qu'on fasse ça ici. Charbon. Vas-y. Oh, alimentation en énergie inadéquate. Générateur, on s'en tape. Unité de maintenance. Non. Tête de forage, non. Ah ouais, t'as directement... Ah ouais, t'as rage-quitte le jeu en plus de... D'accord. On va récupérer ça, là, les débris. Ah, c'est quoi ça déjà? On va les revendre à lui. Qu'est-ce qui se passe? Alors, ah lui il est ultra con. Ah non, c'est moi. Toi, t'es en quoi ultra Global content. Trust peut-il vous être Photoxéen, un navire de guerre. On veut pas de navire de guerre. Souscrire un emprunt, non. Demander une quête. Non. Qu'est-ce qui vous amène ici? Non. Salut.
Moi, j'aimerais bien avoir des navires... Je suis à votre entière disposition. De ta flotte. Si vous recherchez un peu de soutien, vous avez frappé, vous avez un vrai don pour le commerce. Un peu de soutien. Non. Ouais, bah c'est parce que en fait, du coup, comme t'avais beaucoup de... Comme t'avais une île au fond écologiquement, ça crée des, ça a plus de chances. En fait, plus il y a d'îles, plus ça a de chances de créer des tornades. Et plus t'as des tornades, enfin plus ton île est au fond écologiquement, plus elle attire les tornades. Ça, c'est pas intéressant non plus. Non plus. Ça, ça nous intéresse pas. Non, non, non. Je suis... Ah ouais, 4 ans. Ouais, quoi, moi généralement, si je rage le lendemain, je me dis, bah, non, mais tu peux pas... Tu vas pas rager sur un jeu, tu vas pas te laisser battre par un ordinateur. Alors, maintenant que je commence à faire des pattes, il faut que je rajoute sur ma truc chargé des pattes et décharger des pattes. Il y a la place sur ces bateaux ou pas? Il y a 3 places, hein. Ouais, c'est bon. Vous récupérez pas le blé, vous? Si, quand même, un peu, non? Ah, eux, par contre, ils sont à 54%. Waouh, eux, ça joue, hein. Oh. Laboratoire de recherche. Pourquoi j'ai que 5 de... Ah oui, j'ai tellement peu de charbon que en fait c'est. À quoi il sert le charbon? Il sert là-dedans le charbon? Non. Ah, il sert à faire du métal à fond. Et du coup, ça me bouffe tout le charbon. Un de quoi? Attends, qu'est-ce que j'ai dit? Les conditions environnementales, ça vous intéresse? Vous avez l'autorisation de commencer, mais n'attendez pas de miracle. Mais non, mais cette île, je m'en tape. Avertissement. Arrêt complet de la production. Nous cessons l'opération de purification d'air, puisque c'est ce que vous voulez. Attends, je le paye? C'était des types bien, bon sang. Ils avaient une famille. Il y a un truc que j'ai pas compris, là? Genre le mec, je le paye pour que ça, en fait, je lui donne de l'argent pour que ça se passe bien chez lui. Le gars est pas bien, là, dans sa tête. Je peux déjà... Ah, je peux faire ça, là? Alors, il m'en faut 1000... Ah oui, ouf, la vache. Ça c'est quoi? Centrale géothermique. On verra. Ça crée des tsunamis, ça. Ça c'est l'enfer. Ouais, c'était là-dedans qu'on pouvait faire. Partie sauvegardée. Un truc pour.
un truc pour retirer la pollution. Il n'y a pas assez d'énergie ici. Alors... Du coup, chez les techs. On va aller vendre des trucs et puis on va aller construire le labo. Il nous faut notre petit navire qui est là. Juste voir les stocks. Ça vaut hyper cher ça. On va récupérer ça. Récupère ça. Une fois, j'avais eu l'île des pirates. Vous voulez voir les laisser pour compte de plus près. J'avais mes tours, genre elles étaient là, et leur bateau à chaque fois qu'ils passaient. Et j'avais réussi à contenir la menace pirate ici, comme ça. Ah ouais, là ça m'emmerde hein, pour les pattes. C'est là, toi? Oui. Avez-vous des questions sur les technologies de SAAT? Bien. On va peut-être faire des alicaments pour ce... Vous trouverez ce que vous offre et la demande. C'est ça. Chacun veut être prêt. Très intéressant. Non. Ça c'est quoi? Non. Alors... qu'est-ce que nous voulions faire? Ah oui, construire le labo. On a assez... Ah oui, mais on n'a pas assez de... Avertissement. Véhicule attaqué. Par contre, je vais vraiment faire ça parce que il me... Alerte. Attaque de l'un de vos véhicules. Bah salut, ça va, t'es bien? Donc on récupère du matos. Il en fallait combien pour faire le labo? On a dit 20. Ouais, j'en ai 10. Ici, on va faire un max d'alicaments. C'est là l'une de vos meilleures décisions. On en fait. On va vendre tout ça après. La fatigue arrive. Ouais, la fatigue arrive. Ouais. D'ailleurs, je vois l'heure et on va pas tarder à partir. Mais
c'est pas encore le moment. Donc on tient. Ouais, c'est vrai que là, les yeux qui piquent et tout. Tac tac tac, elle est loin la jeunesse. On pouvait streamer jusqu'à, enfin on pouvait jouer jusqu'à pas d'heure. On va essayer de terminer ça. Et on va peut-être parler aussi du prochain stream. Le prochain stream, ça sera sûrement du Total War Shogun 2 encore. Si ça te tente. On va reprendre la partie... Construction du module finalisée. Alimentation en énergie inadéquate. Et on va essayer de la gagner, parce que ça a l'air mal barré quand même. Mais bon... Attends, mais je suis attaqué lui. Ah, j'avais pas vu. Oh là là, j'avais pas vu. Ah oui, clairement la fatigue. Hein. Là, pour pas voir ça, l'aveugle. Heureusement que le bateau est une fusée. Bon, ouais, j'aimerais bien gagner quand même. C'est pas grave, mais j'aimerais bien gagner. On va se faire un petit bateau. Ah mais non, mais toi là. Toi t'es bien là. C'est la route. Médoc pour le pharmacien. Tac, tac. Tac. Ici, je charge des médocs. Alors, j'en charge genre 20. Pas plus. Et là, je décharge les médocs. Oh, ça coûte si cher ça. Oh oui! Je suis pressé de voir ce que ça va donner. Bon, j'ai sauvé mon navire principal. Alors, est-ce que vous êtes moins bête? Ouais, c'est bien. Avertissement. Justement, ils viennent traîner à côté. Arrêt complet de la production. Ah ouais? Ah, ah ouais, mais non, parce que moi, du coup, en fait, ce que je veux. C'est pas qu'il reste des ressources ici, je veux qu'ils prennent qu'un peu de mes ressources. D'ailleurs, on a assez d'argent pour acheter une nouvelle action ici. Achat Boom. D'action enregistré. Ici, nous allons vendre. Alerte. Attaque de l'un de vos véhicules. Hop, on va vendre des armes. Ils sont où, où sont mes armes? Là. Parce que si je dis laissez en moi, il va toujours me laisser des alicaments. Et c'est pas ce que je veux. Je veux qu'il n'en prenne qu'un peu pour vendre. Mais que l'autre navire de commerce qui emmène dans mes îles, lui, il prenne tout. Quoi. Ce travail était fait pour vous. Ah bah oui. Ah bah, vu combien tu payes, oui. Ouais, c'est ce que je vais faire. Mais là, ça va plus vite, en fait. Quand je vends comme ça, ça fait plus d'aller-retour. Par contre, j'ai fait Médoc pour le pharmacien, mais j'ai oublié... Conclusion d'un traité de paix entre voisins. C'est parti. Alors... Tu perds beaucoup de bénéfices, tu penses? Ça coûte plus cher quand ils viennent le chercher? Attends, c'est quoi la mission? Eden Initiative a une quête spéciale pour vous. Une quête de l'organisation. Priorité absolue. Ah oui, non, faut que j'aille plus vite que lui. Oui, bon, ça c'est bon, ça. Non. Ok.
Je compte sur vous. Vous n'avez pas le droit à l'échec. Ah ouais? Je savais même pas ça. Que plus il m'aimait, plus... Hop. Alors là, je pense que vu la vitesse du gars, je vais avoir le temps de faire les trois livraisons avant que lui ait fini la première. Mais ce navire-là, c'est tellement une fusée, quoi. Je compte sur vous. Vous n'avez pas le droit à l'échec. Bon, peut-être pas. Peut-être pas que je vais réussir à faire les trois livraisons avant qu'il ait fini sa première. Vu que les livraisons sont loin des autres. Ça, c'est vraiment les quêtes données. Hein, parce que généralement, les navires qui pilent, c'est des... Avertissement. Ils sont très lents, quoi. Véhicule attaqué. Oui. Vas-y. Attrape-moi. Tel qu'il me sert à rien, c'est... Ah si, elle me sert à... elle vend de l'armement, quand même. Green va faire de nos vies un enfer si ça ne marche pas. Green, t'es mon patron. Ah voilà, voilà, c'est des gros cuirassés, trop bien, là. Trop fort. Vous savez y faire, amigo. Eh ouais. C'est bien vrai. Bon bah je pense qu'on va pouvoir se dire au revoir là. On va se calmer un peu. Ah, bon bah la prochaine étape. Alors, qu'on sache. On va... La prochaine étape, c'est upgrade le niveau et de construire ce bâtiment-là. Est-ce qu'on peut le faire? Non. Ah bah si, on peut le faire. Attendez. On va le faire. Juste histoire de voir de quoi on parle. Ah, les navires pirates qui étaient tellement forts au début de partie, qui sont passés vraiment à l'état de moyenne menace. Enfin, de menace même plus que faible. Donc là, on vient chercher ceci. On va faire le bâtiment de recherche, on montre ce que c'est. Après, on va parler des objectifs de la prochaine partie, puis on va se dire au revoir. En tout cas, moi, ça a été un très gros plaisir de stream encore cette nuit. Hop, on récupère ça au passage. Toujours un plaisir d'être là avec vous. Et c'est ce bâtiment-là, l'Académie des sciences de Neotron. Bienvenue à Neotron. Avertissement. Véhicule attaqué. C'est bon. Il s'est enfui. Et l'Académie des sciences de Neotron permet. Alors. De faire pas mal de choses. Déjà, on va pouvoir faire une centrale hydroélectrique. Et ça, c'est le feu. Ça fait beaucoup de commandes d'électricité pour pas beaucoup de d'impact écologique. Et je ne sais plus comment on fait. Recherche de base. Oui, ça c'est fait pour rechercher, commander nouveaux trucs.
bâtiment public, ça m'intéresse pas. Fertilité, ressources. Action neutre, acheter. Non. Non plus. Alors là, vous voyez, on peut se. Se débrouiller tout seul en fait. Ah, c'est dingue. Ah, influence écologique. Ah, faut que je. Ouais, faut que je leur dise. Oula, ça coûte cher. Ça coûte très cher. Ouais, c'est pas pour tout de suite. Enfin, quoique, 20 000. Bon, par contre, 1h45. Hein. Et ça, en fait, du coup, l'augmentation. Enfin, ça va aller plus vite si on va avoir plus de tech autour du bâtiment. Ici, 113%. Pareil, 137% ici. 0% de chance que ça explose. Indique la probabilité qu'un prototype soit développé dans ce bâtiment. Je ne sais pas ce que c'est, ça, par contre. Enfin, voilà. On se dit au revoir. Salut YouTube, à la prochaine. Des bisous.